chacun de nous. Nous prions que la familiarité avec ta parole ne nous fasse pas perdre les grandes choses que tu nous révèles au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais-nous monter plus haut et aller en profondeur et en avant dans la connaissance de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Enrichis toute vie avec de profondes expériences de l'Esprit de Dieu cette nuit au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Et que l'Église de Dieu crie Amen. Et nous allons à Marc 10. Marc 10, on voit le verset 32. Marc 10, Marc chapitre 10, nous lisons verset 32 jusqu'au verset 45. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Vous pourrez vous demander, mais quelle crainte éprouvait-il? Ils allaient à Jérusalem. Le Seigneur leur avait dit ce qui s'y passerait. Et ils étaient appréhensifs. Ils avaient peur. Est-ce le temps que cela arrivera? Et maintenant, ils devaient comprendre pleinement tout ce qu'ils disaient. Et le verset 32, le milieu dit, « Et Jésus prit de nouveau les douze auprès de lui. » Et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Arrivé au verset 35. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de lui et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Et puis, il lui a dit ce qu'il voudrait qu'il le fasse, et ils ont demandé ce qu'il n'a pas voulu. Les dix en ont appris, et ils étaient indignés. Pourquoi pourrez-vous demander une pareille chose? 41. Les dix, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Dans les autres passages, les mêmes choses sont enregistrées. Et le Seigneur les a corrigés et leur a dit que de regarder son exemple, de voir tout ce qu'il a mis devant eux et qu'ils suivent ses traces. 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Nous allons parcourir ce passage par la grâce de Dieu et nous allons voir ce que le Seigneur veut que nous apprenions. Le titre cette nuit est l'ignorance et l'ignorance terrible de la révélation de Christ. Christ leur a donné la révélation et ils sont demeurés dans la révélation, ils sont demeurés dans l'ignorance sans vouloir apprendre ce qu'il leur avait dit. Le Seigneur a répété cela. Il a parlé de son sacrifice lorsqu'il l'a premièrement révélé en Matthieu chapitre 16, 21. Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième fois, le troisième jour. Le premier jour qu'il leur a révélé cela, il leur a montré l'avant-première de cet acte et il a dit ce qui va lui arriver,
Il mourra à Jérusalem pour les péchés du monde. Et le troisième jour, il ressuscitera. Le verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Verset 23. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu m'es en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tu n'acceptes pas, tu n'embrasses pas ce qui est de Dieu. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrête-moi. Depuis lors, ils avaient l'idée que Jésus allait mourir à Jérusalem. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ils ne pensaient pas à l'objectif. Ils ne pensaient pas au pourquoi Jésus est venu dans ce monde. Ils voudraient demeurer dans l'ignorance. Il dit que ça, c'est quelque chose que vous ne voulez pas entendre. C'est quelque chose que vous ne voulez pas savoir. Et cette ignorance est restée avec eux. Il y a plusieurs personnes. Ils entendent quelque chose pour la première fois. Ils disent, mais comment cela peut être? Ils ont entendu cela pour la seconde fois. Ils disent, mais est-ce que tu as toujours resté ici pour la troisième fois? C'est comme, comment cela sera? Alors, ils ne veulent pas savoir. Alors, voyons Marc chapitre 9, verset 30. Marc 9, verset 30. Et vous allez voir l'attitude et de demeurer intentionnellement dans l'ignorance au sujet de ce thème important. Marc 9, 30. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait ses disciples. Et il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir. Et trois jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Le verset 32. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Ils craignaient de l'interroger. Ils ne l'ont pas compris, mais ils avaient peur de le demander dans les autres thèmes. S'il a dit quelque chose, ils n'ont pas compris. Mais Seigneur, mais on n'a pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais dans ce cas-ci, délibérément, ils ne veulent pas savoir. Ils craignaient de l'interroger. Y a-t-il un sujet dans la Bible? Y a-t-il un enseignement dans la Bible? Y a-t-il une doctrine dans la Bible que vous ne voulez rien savoir de cela? Et lorsque vous avez cette matière, ce sujet, c'est comme, est-ce qu'on pense encore à cela? Est-ce que cela est encore dans la Bible? Et vous voulez délibérément ignorer un tel thème, un tel sujet. Luc chapitre 9. Luc 9, verset 44. Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Le Seigneur a dit, je dirai quelque chose de très important. Je vous dirai quelque chose de très essentiel. Écoutez bien ceci. Que cela s'ancre dans votre cœur, dans votre subconscient. Parce que le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Quelle était leur attitude? Que cela s'ancre en vous. Est-ce qu'ils l'ont médité? Est-ce qu'ils l'ont accepté? Verset 45. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux afin qu'ils n'eussent pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Ils demandaient si ça y est d'autres sujets. Lorsque quelqu'un a prié pour quelqu'un, la personne n'était pas guérie. Mais pourquoi on a prié et cette personne n'est pas guérie? Il leur a expliqué. Pour le cas de mariage, il a parlé, ils n'ont pas compris. À la maison, il dit, mais et ceci?
écrite leur avait donné l'explication. Il leur avait dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche. Ils n'avaient pas compris, mais ils lui ont demandé. Et dans ce cas particulier, et lorsqu'il parlait de sa mort, de son sacrifice, du fait qu'il ira à la croix pour mourir pour le péché de l'humanité, ils n'ont pas pleinement compris, mais ils ne voudraient pas comprendre, ils ne voulaient pas savoir. Même lorsqu'il dit que écoutez bien ceci-là, ils ne voudraient pas comprendre, ils ne voudraient pas lui demander. Jean 16, Jean chapitre 16, verset 6. Jean 16, voilà le verset 6. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Je vous ai dit ces choses, cela va se passer. Et c'est le pourquoi je suis arrivé dans ce monde, que vous soyez en communion avec moi, en amour avec moi, en affection avec moi, vous m'aimez, vous voulez que je sois ici. Cela ne va pas surpasser ce que le Seigneur veut que cela soit fasse. La tristesse a rempli votre cœur. Verset 16, 18 du moins, verset 16 du moins, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez, et parce que je vais au Père. Il parlait de sa mort et il leur a dit cela à maintes reprises, que je mourrai pour les péchés de l'humanité et je serai enseveli et je ressusciterai le troisième jour et vous me verrez. Après cela, j'irai au Père. C'est exactement ce qu'il leur disait maintenant, que encore un peu de temps, sur cette crucifixion aura lieu, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, après le troisième jour, je ressusciterai des morts, vous me verrez. Qu'est-ce que cela veut dire? On ne comprend pas. Néanmoins, ils ne l'ont pas demandé. Verset 18. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit encore un peu de temps? Nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'il voulait l'interroger et il leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. C'est très clair. Il ignore cette chose particulière et ne désirait pas le demander, et intentionnellement il ignore cela. Ce qui était arrivé à ces juifs disciples est arrivé à tout Israël. Il y a des choses à laquelle ils s'accrochaient. Ils savaient que Christ est venu, que le Messie est venu, et ils sont demeurés ignorants des choses qu'ils devaient savoir, le sujet de la valeur de son sacrifice, la provision de son salut. Ils ont refusé de savoir, ils ne voudraient pas savoir que les œuvres de leurs mains sont sans valeur au sujet du salut. Mais le sacrifice de Christ, l'expiation de Christ, la justice provenant de Christ, tout ce sont les choses qu'ils devaient comprendre. Ils devaient croire à ces choses, embrasser ces choses afin qu'ils aient le salut. Il était délibérément ignorant et leur ignorance est demeurée avec eux. Romains chapitre 10, verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils pourraient avoir cette justice de Dieu, ce salut de Dieu, cette rédemption de Christ et les avantages de ce qu'il a fait à la croix de Calvaire. Mais non, ils ne voulaient pas cela. Et ils sont demeurés dans cette ignorance. Je prie que vous ne demeurez pas dans l'ignorance. Et je prie que vous ne demeurez pas dans l'ignorance. La chose importante du salut,
la chose importante de sa mort, la chose importante du sacrifice de Jésus, ce qui importe de l'expiation de Jésus. Il y a plusieurs qui disent que je ne veux pas entendre cela. Je suis membre d'une dénomination, je suis dans une religion que j'aime, et si mes bonnes œuvres sont en plus grand nombre que mes vices ou bien mes péchés, j'irai au ciel. Mais mes œuvres, tes œuvres ne peuvent pas t'amener au ciel. Vous devez comprendre que Jésus est venu afin de nous sauver de toutes nos iniquités. Non, je ne veux pas écouter cela. Ce que je sais, c'est que je suis religieux et ma religion me suffit. Voyons 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Lorsque vous ignorez les desseins de Satan, qu'il voudrait vous garder dans l'ignorance au sujet de la rédemption, au sujet du pardon, au sujet de la justice de Dieu, alors il voudrait vous garder dans l'ignorance et vous accepter cela, vous demeurer dans l'ignorance que j'ai tout, je connais tout, j'ai assez étudié, j'ai tout reçu, je ne veux plus d'autre chose. C'est ainsi vous tombez dans les desseins de Satan. Je prie que cela ne vous arrive pas ainsi. Je prie que cela ne vous arrive pas ainsi. Voyons 2 Pierre, chapitre 3, verset 5. 2 Pierre, chapitre 3, verset 5. Ils veulent ignorer. Ils veulent ignorer. Il y a des gens que délibérément, ils demeurent dans l'ignorance. Ils savent que la vérité est prêché dans un lieu particulier. Ils savent que la vraie rédemption est déclarée quelque part. Ils savent que si je vais là-bas, j'entendrai, j'écouterai la parole inadutérable, la parole parfaite, pure de Dieu qui lui donnera la vie éternelle. Ils savent qu'ils ne triomphent pas du péché ni du moi. Et avec tout le salut qu'ils professent avoir et la religion qu'ils professent, ils n'ont pas ce qu'il faut pour aller au ciel. Et ils continuent d'avancer, rester dans ces rites, dans ces rituels, dans ces choses. Et délibérément, ils ignorent les choses qui vont les aider à aller au ciel. Je prie que cette ignorance intentionnelle, délibérée, n'arrive à personne au nom de Jésus-Christ. Regardez les disciples de Jésus-Christ. Ils écoutent du Fils de Dieu. Ils écoutaient la vérité de Christ de façon différente. Au fait, les gens qui sont envoyés arrêter le Seigneur ont dit que nul, jamais personne n'a parlé comme cet homme. Même les gens de dehors savaient, même les officiers qui sont envoyés l'arrêter, ils savaient que jamais personne n'a parlé comme celui-ci. Les disciples savaient que voici la parole personnifiée de Dieu. Mais il y a des choses dont ils étaient ignorants et ils sont restés dans cette ignorance. Je ne vais pas demeurer dans l'ignorance. Dis-moi, je ne vais pas demeurer dans l'ignorance. Nous parlons ce soir de l'ignorance constante de la révélation de Christ. L'ignorance constante. L'ignorance qui est restée. C'était là, c'est toujours là. Et cela continue d'être là pour des jours, pour eux. Jusqu'à ce que la réalité leur paraisse. Et ils vont savoir que voici la réalité. Je prie que l'ignorance ne demeure pas dans notre cœur, que l'ignorance ne reste pas dans notre vie, que l'ignorance ne demeure pas dans nos pensées, dans notre approche à la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il un amen de vous? L'ignorance constante de la révélation de Christ. Nous allons voir 3 points comme on voit le passage. Premier point. La révélation de Christ, la révélation de Christ sur son sacrifice irrépréhensible. Il leur révélait ce qui va lui arriver. Il leur parlait de son sacrifice, de l'expiation,
de la nécessité de sa mort, de la rédemption du monde entier, numéro 1, la révélation du sacrifice sans tache de Christ, 2. Ça, c'est le rappel au sein de tout ce que le Christ l'a révélé, qu'il allait mourir. Il n'en met pas pensé à la douleur, à la souffrance, au traumatisme que le Seigneur éprouvera, le Seigneur, le Maître, le Messie, le Christ, le Seigneur. Il n'a pas pensé à l'angoisse qu'il va parcourir. Alors, tout ce qu'il veut maintenant, donne-moi cette position. Alors, ils sont charnels, ils sont non sanctifiés, ils sont égocentriques. Oui, deuxième point, c'est ça, c'est l'exposition de leur pensée égocentrique. Après leur avoir instruit, il leur avait montré la compréhension qu'ils devaient avoir et l'exemple qu'il est venu montrer. Il est venu leur dire que voici la façon dont j'ai vécu et je voudrais montrer ceci afin que vous voyez le modèle, la voie que vous devez suivre. Ils veulent qu'ils sachent que Christ, que la servilité de Christ qu'il a démontré, que aussi de mon cela. Je prie que qu'on ne rate pas cette démonstration. Je prie qu'on ne rate pas le modèle du Seigneur Jésus-Christ et tout ce qu'il a démontré devant nous, afin que nous aussi, nous ayons le même cœur, qu'on ait la même pensée, qu'on ait la même disposition et d'une servilité altruiste au nom de Jésus-Christ. Je retourne à Marc chapitre 10, verset 32. Premier point, nous voyons la révélation du sacrifice sans tache de Christ. La révélation qu'il leur a donnée. Marc 10, 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges, mais ce n'est pas la fin du jour, et le feront mourir. Il leur avait dit qu'il allait souffrir, il sera injurié, il fera face à beaucoup de persécutions, on crachera sur lui, il sera battu de verges, on se moquera de lui et on le fera mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Et 3 jours, il ressuscitera. Non seulement il a parlé de sa mort ou de son ensevelissement, il a aussi parlé de sa mort, de son ensevelissement et de la résurrection du 3e jour, qu'il va ressusciter. Voyons cela, la révélation du sacrifice sans tache de Christ. Voyons Marc 8. 31. Marc chapitre 8 verset 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit. Alors soulignez là qu'il fallait, ça c'est une obligation. Il y a quelque chose qui ne peut pas sinon éluder ici. Et alors il est venu souffrir dans le monde. Et qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort. Chaque fois qu'il parle de sa mort de substitution, de sa mort vicariale, la mort qui nous amène de la mort à la vie, chaque fois il conclut avec sa résurrection parce que c'est dans la résurrection que nous avons la rédemption et qu'il les ressuscita 3 jours après.
Nous allons à Luc chapitre 9 et nous lisons le verset 22. Luc 9, verset 22. Voilà ce que Jésus dit encore. Il a répété cela à maintes reprises. Vous et moi, prédicateurs, ministres, si vous dites quelque chose la première fois et les gens proches de vous, les disciples, les membres de l'église, même les gens que vous avez envoyés prêcher, ils ont prêché et vu que vous restez avec eux, s'ils ont rejeté ce que vous avez dit, et vous et moi, on a tendance à dire que oui, il ne veut pas écouter, donc on ne va plus en parler. Vous devez le faire. Si c'est la seule voie au ciel, vous devez en parler. Si c'est la seule voie pour le salut, vous devez en parler. S'il n'y a plus d'autre voie, il n'y a plus d'autre doctrine, s'il n'y a plus un autre moyen, voici le chemin, vous devez en parler. Vous ne devez pas dire que je leur avais parlé, mais ils ne veulent pas écouter. Ça, c'est Jésus-Christ. Ouais, cette ténacité d'objectif et cette constance dans l'enseignement, que le Seigneur nous l'accorde au nom de Jésus-Christ. Luc 9, 22. Il ajouta qu'il fallait, voyez cela, que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Il continua de le révéler. Je prie que cette constance vous soit accordée et que le Seigneur vous accorde cet engagement. Amen. Et voyons Luc 24. Luc chapitre 24 et verset 25. Il connaissait leurs conditions, leur esprit. Et voici ce qu'il a dit. Luc 24, verset 25. Alors, Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, je vous ai dit que je mourrai, je vous ai dit que le troisième jour, je ressusciterai, mais vous êtes lent à croire. Non seulement, vous êtes lent aussi à croire ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, qu'il entra dans sa gloire? Ne savez-vous pas que ceci a été prédit, que ceci a été prophétisé, ceci a été révélé plus longtemps avant que je ne sois arrivé? 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Voilà le verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse. Voilà cela, qu'il fallait que s'accomplit tout ce qui est écrit, tout au sujet de sa souffrance, tout au sujet des crachats sur lui, tout au sujet des fouettements contre lui, tout sur la crucifixion et tout ce qui lui arrivera, tout ce qui est écrit de moi dans la loi, et qu'à ce qu'il soit tué pour être le substitut du monde entier. Tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, c'était écrit que Christ viendra. C'était écrit que le Messie viendra. C'était écrit que le Fils de Dieu viendra. Et qu'il souffrira et pour le péché de l'humanité. Et c'est dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait
des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous avez vu qu'avant sa mort, il avait dit, après sa mort, il avait encore révélé, lorsqu'il est ressuscité des morts, il a accentué, il a souligné, quoique le disciple soit lent de cœur pour le croire, il leur avait dit que c'était écrit. Où est-ce que cela est écrit? Dans l'Ancien Testament, dans diverses parties de l'Ancien Testament. Nous allons au psaume 22, psaume chapitre 22. C'était écrit de Christ. Tout ceci a été prophétisé sur le Seigneur Jésus-Christ avant qu'il ne soit venu dans ce monde. Il savait que toutes ces choses doivent être accomplies. Pour les disciples, en ce temps-là, ils détournaient leur esprit de cela, leur cœur de cela, leur compréhension de cela. Mais voyons ce qui est dit dans Psaume 22, verset 2. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? » Et il parlait au Seigneur. Ce sont les paroles qu'il a dites à la croix de Calvaire. Toutes ces choses étaient écrites. Jésus savait que tout ce qui est écrit sur lui doit s'accomplir et s'accomplira, quoique les disciples soient lents à sortir de leurs ténèbres et de leur ignorance. Verset 8. Tout ce qui me voit se moque de moi. Il ouvre la bouche, secoue la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. C'est ce qu'ils ont dit lorsqu'il était à la croix, lorsqu'il mourait pour nous, lorsqu'il payait notre rançon pour qu'on naisse de nouveau, pour qu'on soit sauvé, pour qu'on passe de la mort à la vie éternelle. Verset 17. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Le Seigneur Jésus savait cela, que cela va se passer. Il savait qu'il ira à la croix et qu'il mourra à Jérusalem. Il savait que voici ce qui va se passer. Ils ont percé mes mains. Et c'est ce qu'il essayait de dire à ses disciples, c'est ce qu'il disait à ses disciples, c'est ce qu'il révélait à ses disciples, mais ils étaient lents à comprendre. Voilà le verset 19. Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Mais cependant, il savait qu'il ressuscitera des morts, que la mort ne sera pas la fin de sa vie. La mort ne sera pas la fin du chemin. Il y aura la résurrection. Et il est toujours le Seigneur. Voilà le verset 29. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Il savait qu'il ressuscitera, que lorsqu'il ressuscite, il va régner, il va dominer, il va régner sur le monde entier, il va dominer sur tout l'univers. Allons maintenant à Ésaïe chapitre 50. Ésaïe 50, nous allons le verset 6. Ésaïe 50, et voilà le verset 6. Ésaïe 56. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. C'est la souffrance qu'il traversait. Il savait cela et il a tout révélé à ses disciples. S'ils lisaient leur Ancien Testament, ils auraient su que voici ce qui arrivera au Messie, ce qui arrivera à Christ lorsqu'il viendra. Et voyons Ésaïe chapitre 53 et nous lisons verset 3. Ésaïe 53 verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, c'est ce qui est dit de lui. Et ses chefs religieux et ses dirigeants l'ont rejeté. Il est méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage.
nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il devait faire cela afin que nous soyons affranchis de ses transgressions, de ses péchés. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Le sacrifice qu'il a fait, l'expiation qu'il a faite, la mort qu'il a... La mort dont il est victime pour nous. Et nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Tout le monde. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'iniquité de nous tous. C'est la raison pour laquelle il devait mourir. C'est la raison pour laquelle il devait aller au calvaire. C'est pourquoi il devait faire de sa vie une offrande pour les péchés du monde. Dès que les disciples ont vu que ces choses sont arrivées, ils ont regardé à la souffrance, ils ont regardé à la crucifixion, ils ont regardé à la résurrection maintenant, et voyons ce qui est dit en acte 2 maintenant. Maintenant, ils ont compris, et c'est très important. Je prie que vous compreniez. Acte chapitre 2, voir le verset 23. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Maintenant, comme ils ont fait un regard rétrospectif à la croix au calvaire, ce qu'ils n'avaient pas compris, ce dont ils étaient ignorants, maintenant nous comprenons qu'il était livré selon le dessein arrêté selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité. Christ est maintenant au ciel, il est monté au ciel et les disciples maintenant parlaient de sa mort. Et eux aussi maintenant, ils n'ont pas conclu leur discussion, leur révélation sur la mort. Ils vont parler de sa résurrection. Verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Parce que la résurrection, c'est pour apporter notre rédemption. La résurrection, c'est pour apporter notre salut. Il est mort. Et puis, il est ressuscité. Je prie que les avantages de la résurrection se réalisent dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 13. Acte chapitre 13, le verset 28. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. 29. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ces gens ne savaient pas qu'il accomplissait les Écritures, les prophéties, lorsqu'il l'arrêtait, lorsqu'il le trahisait, lorsqu'il le clouait à la croix, lorsqu'ils l'ont donné le fiel à boire, lorsqu'ils l'ont percé, ils ne savaient pas qu'il accomplissait ce qui était écrit, lorsqu'ils l'ont fait descendre de la croix, lorsqu'ils l'ont enseveli, et que le troisième jour, il est ressuscité, et il a dit, ils ont dit aux soldats, allez mentir, que ses disciples sont venus le prendre de nuit. Ils ne savaient pas qu'il accomplissait les Écritures. Maintenant, les apôtres, regardant ce qui était arrivé, et les apôtres voient ce qui était arrivé, la révélation de ce que Christ a donné avant que Paul lui-même ait de nouveau Paul. Maintenant, c'est dit ici que, et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Gloire à Dieu. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Je dis gloire à Dieu.
mais Dieu l'a ressuscité des morts. Oui, à chaque moment, il ne s'arrête pas sur le négatif. Il dit, il est mort, oui, il est enseveli, mais il a fait notre expiation, l'expiation pour nos péchés, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle, cet évangile, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, il n'ira plus à la tombe. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Verset 37. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Voici la conclusion, voici la raison, voici la révélation. Sachez donc, mon frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est au travers de Christ qui est mort pour nous. C'est à travers Christ qui a fait l'expiation que le pardon des péchés vous est annoncé. Vous savez, sa mort, il n'y a pas le pardon. Comprenez, sa mort, sans sa mort, il n'y a pas de rédemption. Sans sa mort, il n'y a pas le salut. Sans sa mort, il n'y a pas la justice qui vous rendra plus saint pour aller au ciel. Parce que c'est à travers lui, c'est à travers ce qu'il a fait que cette justice nous est accordée. 39. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Maintenant, nous avons lu la révélation au sujet du sacrifice de Christ, au sujet de ce qu'il a fait à la croix de Calvaire. Et nous nous référons à l'Ancien Testament, aux Psaumes, à Esaïe et à d'autres passages de l'Écriture. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose. En Apocalypse 5, verset 6. Apocalypse 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes, l'autorité totale, et sept yeux, une connaissance totale, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. C'est l'Ancien des Jours, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est le Père. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Tout l'univers, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les pierres des saints. Voilà le verset 9. Et ils chantaient un cantique à nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Car tu as été immolé. C'est la mort qui l'a qualifié. C'est le sacrifice qui l'a qualifié
d'être notre sauveur, pour nous donner le salut, d'être notre rédempteur. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force. Au siècle des siècles, et que le peuple de Dieu dise Amen. Cet Amen est trop petit. Amen au nom de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 13, vous devez comprendre ceci, souligner cela dans votre Bible. Apocalypse 13, je lis verset 8. Apocalypse 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Christ a prédit, a prophétisé qu'il mourra pour les péchés du monde, non seulement dans le livre de Moïse ou des psaumes des prophètes, même depuis le fondement du monde, cela a été déclaré. Si, lorsque Jésus a déclaré cela à ses disciples, ils devaient comprendre qu'il accepte ou non, cela va arriver. Qu'il pose des questions ou pas, cela va se passer. Qu'il croit à cela ou pas, cela va se produire. Jésus est mort sur la croix de Calvaire. Et nous louons le nom du Seigneur. Qu'il est mort pour vous, qu'il est mort pour moi, qu'il est mort pour chacun de nous. Et quiconque croira à la mort de Christ et à l'ensevelissement et à la résurrection de Christ, quiconque croira, le salut sera à lui au nom de Jésus-Christ. La rédemption sera à vous au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons maintenant au deuxième point qui est l'exposition de l'heure. C'est l'exposition de leur égocentrisme, de leur nature égocentrique, charnelle et non sanctifiée. Lorsque quelqu'un est proche de vous, lorsque quelqu'un est précieux à vous, lorsque quelqu'un est aimable, lorsque quelqu'un a pourvu tout pour vous, depuis que vous le connaissez, vous a donné de l'eau, du pain, et vous a donné tout ce qu'il vous faut, et il a tranquillisé la tempête dans votre vie, vous a donné un certain honneur, si vous a dit que pourrait vous dire quelque chose. Dans peu de jours, je mourrai. Et ce n'est pas une mort naturelle. Quand il est allé dormir et puis il est mort, paisiblement, ce sera une mort ignoble, une mort terrible. Et après qu'il vous aurait dit tout cela, et l'angoisse et les choses qu'il traversera, mais rappelez-vous, cette personne, c'est quelqu'un qui pourvoit à toute votre vie. Et après tout, il a dit que d'accord, lorsque vous aurez établi votre compagnie, votre société dont vous me parlez, est-ce que je peux être le contrôleur de tout là? Je voudrais parler de la mort terrible, ignoble qui viendra. Alors tu me dis maintenant que ce que tu cherches maintenant, c'est la position. Alors ça, c'est la sensualité.
Au fait, ça c'est une nature non sanctifiée. Au fait, ça c'est d'être insensible. C'est ce dont nous lisons maintenant. On va à Marc chapitre 10, verset 35. Les filles de Zébédée, Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu sera dans ta gloire. Il voudrait la gloire. Il a parlé de la douleur, cela ne le touche pas. Il a parlé de l'angoisse, cela ne les concerne pas. Il a parlé de la mort, cela ne les concerne pas. Il a parlé de sa trahison, cela ne les concerne pas. Il a parlé pour eux d'être à droite ou à la gauche dans sa gloire. Jésus leur répondit: Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Ce que je vous disais, qu'il m'arrivera, que je serai pris par les mêmes méchantes, je serai crucifié, je serai tué. Est-ce que vous pouvez supporter cela? Et il disait que, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dit-il. Nous le pouvons. Nous voulons cette position. Que nous le pouvons. Nous voulons cette élévation, que nous le pouvons. Nous voulons cette reconnaissance, nous voulons prendre part à la gloire. Nous voulons être de ce côté et de celui-ci, dans ta gloire, quel que soit le prix à payer, nous le pouvons. Et Jésus leur répondit: Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire. Et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Verset 41. Les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. C'était une autre façon de dire que ils s'étaient fâchés et ils étaient vraiment mécontents. Comment pouvez-vous faire cela? Nous suivons Jésus-Christ et vous là, Jacques et Jean, vous voulez vous asseoir ici à gauche, à droite? Ça, c'est la sensualité. Est-ce que vous avez lu votre Bible? Jérémie 45. C'est ce que vous devez comprendre. C'est ce qu'il devait lire, probablement, et n'ont pas lu cela. Alors, si l'on lit, ils n'ont pas pris cela à cœur. Jérémie 45, verset 5. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Voici la question que le Seigneur pose. Maintenant, tu es dans le royaume. Maintenant, tu suis le Seigneur. Maintenant, tu es croyant. Pourquoi tu es croyant? Pourquoi tu es dans le royaume? Et pourquoi tu fais tout ce que tu fais maintenant dans le royaume? Est-ce que tu veux être comme Jean et Jacques? Tu veux t'asseoir ici et tu veux t'asseoir là-bas? Et tout ce que je demande, je veux qu'il me le donne. Je veux être au-dessus de tous les autres disciples. Verset 5. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. C'est ce que le Seigneur nous dit. Vous êtes dans le royaume, le salut, oui, c'est assez grand. La sanctification, c'est assez grand. La puissance du Saint-Esprit sur votre vie, c'est assez grand. Alors, une place au ciel, une demeure au ciel pour vous, c'est assez grand. Et que lui-même est dans le royaume, va s'asseoir et va vous nourrir, c'est assez grand. Alors, et toi, rechercheras-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Enlevez cela et allez à la croix qui vous purifie, qui vous lave, qu'il ôte de vous cette idée et cette passion et ce désir d'être plus élevé que tout le monde.
Jacques 4. Jacques chapitre 4, verset 3. Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Jacques et Jean. Vous demandez, mais vous demandez mal. Et le Seigneur ne va pas vous le demander parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos passions. Le Seigneur compte cela comme une sensualité. Nous ne devons pas être sensuels, charnels, chercher la position. Quand on parle de l'angoisse de Christ, nous parlons de la perdition des pécheurs. Nous parlons de ceux qui vont en enfer. Nous parlons de ceux qui souffrent. Et le Seigneur veut que vous oubliez tout ce que vous désirez, ce que vous voulez. Il veut que vous concentrez, vous pensez à ceux qui périssent. Et nous allons à Romains chapitre 8, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui... Romains 8, 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Être charnel, je veux ceci, par-dessus les autres, c'est votre rêve, c'est votre désir, c'est votre poursuite, c'est votre possession, c'est votre passion et l'affection de la chair. C'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est ennemie contre Dieu. Quel type de disciple êtes-vous, Jean? Quel type de disciple êtes-vous, Jacques? Que Christ venait de parler de sa mort, de son angoisse, de sa souffrance, et qu'il sera trahi, et qu'il sera tué. Et ce qui vous vient à l'esprit quand tu venais dans ton règne, qu'est-ce que tu vas nous donner? Est-ce que tu peux exaucer notre requête que tu nous positionnes ici et là? Jacques et Jean, frères et sœurs, quiconque là-bas, parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ils veulent chercher ceci, chercher cela, transformer le royaume de Dieu à une campagne politique. Qu'est-ce que vous pensez? Que ce soit à la droite ou à gauche, que vous pensez que notre famille soit celui qui est à gauche, celui qui est à droite. Que pensez-vous des pécheurs qui périssent? Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Que notre vie plaise à Dieu. Que ma vie plaise à Dieu. Je dis que ma vie plaise à Dieu. On aurait cru que après que Jean était corrigé, après la purification, après que le Seigneur a parlé, on aurait pensé que personne n'aurait encore cette pensée. Mais allons aux Philippiens, chapitre 2, verset 21. Philippiens 2, 21. Tous en effet cherchent leur propre intérêt. Or, tous, en effet, cherchent leur propre intérêt, leur possession, leur avantage, leur gain. Qu'est-ce que j'aurai de cela? Je suis venu, je suis membre de l'église, je suis venu, je suis ministre, je suis venu, je suis ouvrier dans l'église. Et alors, je travaille dans l'église, mais je ne suis pas là pour rien. Je suis venu pour une raison donnée. Alors, qu'est-ce que j'aurai? C'est ce que la parole de Dieu dit. Tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. C'est le pourquoi Jésus a commencé à prier pour eux. Ils étaient sauvés, enfants de Dieu. Mais cette chose dans leur cœur, je veux m'asseoir ici, je veux m'asseoir là-bas, je veux être connu, je veux être reconnu. Et ils cherchaient leur propre intérêt. C'est pourquoi on a Jean 17.
Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. S'il n'y a pas de sensualité dans le cœur, il n'aurait pas fait cette prière. S'il n'y avait pas de dépravation dans le cœur, il n'aurait pas prié comme ça pour eux. S'il n'y a pas l'égocentrisme en eux, il n'aurait pas fait cette prière pour eux. Est-ce que tu prétends être sanctifié que le témoignage ne suffit pas? Y a-t-il la sensualité en toi? Tu as besoin d'être sanctifié? Y a-t-il une recherche, une quête de position? Tu as besoin de la sanctification? Y a-t-il le désir de surpasser toute autre personne et que tu sois sur le trône que les autres? À ici et à là-bas, tu as besoin d'être sanctifié. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ce n'est pas pour Jean et Jacques seulement que je prie. Ce n'est pas pour ses disciples seulement que je prie. Ce n'est pas pour les 12 seulement que je prie. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Mais encore, pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tu sois un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. La sanctification fait une œuvre de grâce dans le cœur que le monde voit. Que l'orgueil est ôté, la recherche de position est ôtée, chercher de grands choses pour nous, tout est effacé. Tout ce qui fait notre vie maintenant, c'est la gloire de Dieu seul. Puisse le Seigneur le faire dans votre vie, dans ma vie, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5. Chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi s'est-il donné pour l'Église? Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Et nous déclare la parole, et la parole agit comme de l'eau, et la parole nous purifie, la parole nous épuise, la parole nous sanctifie. Alors, et c'est ce qu'il. Et cette volonté, c'est ce qu'il veut ôter de tout cœur. 27, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Lorsque cette recherche de position est ôtée de tout le monde, ce sera une église glorieuse. Lorsque ces désirs personnels, tout est enseveli, tout est soumis sous le sang de Jésus, sous la gloire de Dieu. Et l'on veut que Christ seul soit reconnu, cela nous donnera une église glorieuse. Lorsque la nature adamique est ôtée, lorsque la dépravation est ôtée, il nous purifie, il nous lave et il nous rend pur à l'intérieur. C'est ainsi qu'il aura une église glorieuse. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il le fera. Je dis, il le fera. Amen. Allons à 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est la volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est la provision de Dieu. Il veut que cette nature adamique soit totalement, complètement ôtée de notre cœur. Il veut que l'esprit qui recherche la position soit totalement ôté de nous. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Hébreux chapitre 13, verset 12.
C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Il a souffert pour notre salut, mais il sait qu'après le salut, il y aura encore la sensualité là-bas, il y aura encore la dépravation là-bas, il y aura encore la nature adamique, il y aura encore cette propension, cette tendance à vouloir ceci et cela, il y aura encore cette tendance à ne pas penser à la gloire seule, mais à penser à la gloire de l'homme lui-même. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Je prie que l'expérience la soit à chacun de nous. Actes des apôtres. Il a fait aux disciples, il le fera pour nous. Actes 15, 9. Il le fera pour nous. Allons aux actes. Actes chapitre 15, verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Nous devons nous consacrer au Seigneur et tout mettre à l'autel, disant: Seigneur, je ne suis pas venu dans le royaume pour chercher quelque chose pour moi-même, ou bien pour m'attirer quelque chose, ou bien pour lutter quelque chose, pour lutter pour quelque chose pour moi-même. Je ne veux que ta gloire. Ce qui est en moi, qui est charnel, ce qui est en moi, qui est individuel, ce qui est en moi, qui est égocentrique, ce qui est en moi, qui est mauvais, épure-moi. Et tu crois, après avoir tout mis sur l'autel, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Par la foi, il le fera. Je dis par la foi, il le fera. Nous retournons à Marc. Marc chapitre 10. Nous lisons le verset 42. Le Seigneur va nous montrer son exemple. Il va nous montrer son modèle. Il va nous montrer la voie à emprunter. Il va nous montrer ce qu'est la ressemblance à Christ. Notre réalisation de la servilité altruiste de Christ. Marc 10, 42. Jésus les appela et leur dit: vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais vous avez regardé le monde. Vous voyez le monde? Vous n'êtes plus du monde? Vous voyez comment les gens en autorité, comment ceux qui dirigent dans le monde, voyez comment les grands du monde, les directeurs, vous savez comment ils ordonnent les sujets sous eux, comment ils s'attirent toute attention. Ils voudraient montrer qu'ils sont des hommes et des femmes en autorité. Ils sont eux qui détiennent le pouvoir et ils se montrent grands, oppresseurs sur les gens. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Voici son exemple maintenant, le Messie, l'exemple du Maître, l'exemple du Seigneur, l'exemple de notre Rédempteur, l'exemple, celui qui a tout abandonné pour que vous ayez le salut. Voici le modèle, l'exemple qu'il a pour nous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, faut pas vous conformer au monde. Allons aux Romains chapitre 12. C'est pas seulement dit que je ne porte pas ceci,
je ne porte pas le rouge lèvres, je ne mets pas des cils artificiels à l'œil. Lorsque vous agissiez comme le monde, comme vous agissiez comme des hommes politiques, comme des gens de ce monde, lorsque vous agissiez et vous agissiez pour amener tout le monde sous vos pieds, vous voyez, vous ne montrez pas l'exemple de Christ, la sanctification. Romains 12 et verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent en exerçant la puissance, le pouvoir, l'autorité, en régnant avec force sur les gens, en opprimant les gens, en les poussant par-ci par-là et être sur tout le monde. En dominant sur tout le monde, c'est du monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je prie que nous soyons pareils. Être comme ça, c'est être comme Jésus. Être comme ça, c'est de suivre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Être comme ça, c'est de montrer qu'il nous a purifiés. Il nous a lavé, il nous a purifié, il a ôté cette chose qui fait que les gens se comportent comme les dominateurs, comme les gens du monde. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, verset 26. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de plusieurs. Cela nous dit, il l'a dit en Marc, en Matthieu. Voyons ce qui est dit en Luc. Luc chapitre 22. Et c'est répété dans ce passage pour que par la grâce de Dieu, que je le comprenne, par la grâce de Dieu, que vous le compreniez. La nature adamique n'aura pas la priorité sur notre vie au nom de Jésus-Christ. La dépravation n'aura pas la même mise sur notre vie au nom de Jésus-Christ. La sensualité ne sera pas prominente dans notre vie. Que tout ce que Christ dit, tout ce qu'on a lu, et quel que soit ce qu'on a reçu comme enseigné, on aura encore cette pensée de chercher de grandes choses pour nous. Voyons Luc 22, 26. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, moi Christ, et moi le tort, votre rédempteur, et moi votre maître, et moi votre exemple parfait, et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. C'est le concept qui veut connaître, parce que l'esprit, la pensée qui veut connaître, et nous l'aurons au nom de Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ne faites rien par démonstration de pouvoir, par domination, par autorité. Ne faites rien par la nature dépravée. Ne faites rien par la dépravation. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je suis? Mon grand pouce, ma grande position. Je t'ai appelé, tu ne me connais pas. Je t'ai appelé, tu ne cours pas. Tu ne me connais pas. Tu ne connais pas mon titre. Tu ne connais pas qui je suis. Que chacun de vous,
au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Que les sentiments de Christ, ce sentiment d'humilité, de servir les autres, que ce sentiment soit en vous. Il ne faut pas à chaque fois dire que ah, il ne m'obéit pas, je vais le montrer. Elle ne m'obéit pas, je vais le montrer. Elle ne court pas après mon commandement, je vais le montrer. Et elle ne fléchit pas, elle ne tremble pas devant moi. Et elle agit, il agit comme on est égal, et que nous sommes enfants de Dieu. Je vais lui montrer l'autorité que j'ai. Il ne faut pas le faire. Ça, c'est la sensualité. Ça, c'est la dépravation. C'est la nature adamique. C'est dit ici. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de servitude, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Je prie qu'on ne rate pas cet exemple au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24. 1 Corinthiens 10, 24. 24 dit que personne ne cherche son propre intérêt, son propre avantage, sa propre promotion, sa propre exaltation, son propre pouvoir, sa propre autorité. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. La joie d'autrui, le bonheur d'autrui. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19. 1 Corinthiens 9, verset 19. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Paul a compris le message. Paul a fait l'expérience. Paul a compris l'exemple, le modèle de Christ. Il est allé à la croix au calvaire. Il s'est consacré. Il a cru au Seigneur. Et le Seigneur a écrasé cette vie égocentrique de sa vie. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Et que je ne suis pas à chaque fois un défenseur de mon droit. Je suis enfant de Dieu, je suis racheté, je ne dois pas sinon me rabaisser et servir juif ou païen. Je sais que c'est mon droit, mais je ne réclame pas mon droit. Vous voyez, les gens qui se disent nés de nouveau, qui ne sont pas sanctifiés, à tout moment, voici mon droit. Personne ne peut ôter mon droit à la maison. C'est pourquoi il n'y a pas la paix à la maison. Au boulot, les choses n'avancent pas. À l'église locale, ils ne font pas le progrès. Chaque fois, ils veulent tenir pour leurs droits. Jusqu'à ce qu'ils viennent de connaître que voici mon droit et qu'ils me donnent ce qu'il y a à moi et qu'ils comprennent que voici qui je suis. Je ne vais pas permettre la paix ici. L'apôtre Paul a dit que je me suis rendu le serviteur de tous. Que le Seigneur nous donne la compréhension et qu'il nous fasse accorder cette expérience au nom de Jésus. 21, avec ceux qui sont sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles. Ouais, il y a des gens qui chaque fois voudraient démontrer leur force. Je suis fort, je peux tout dire, je peux pousser n'importe qui.
je peux faire tomber n'importe qui. Je ne crains rien, je peux tout dire. Moi, je ne crains personne. Mais l'apôtre Paul a dit que mais je suis aussi fort que toi, je suis aussi puissant que toi. Mais vous savez, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Il dit que moi, je n'ai pas d'intérêt à faire pousser le faible, à faire éloigner les faibles pour que je fasse ce que je veux. Non, non, non. Donc, moi, je m'en fous. Si les gens veulent aller en enfer, qu'ils en aient en enfer. S'ils veulent périr, qu'ils périssent. Mais que voici moi, voyez ce que je vais démontrer. Je vais démontrer ma force pour la... Non, tu n'as pas visité le calvaire pour la transformation, pour la seconde touche. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous. Je me suis fait tout à tous. Et je veux me renoncer afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Vous serez un instrument de salut. Je dis, vous serez un instrument de salut. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens 13, lisons verset 5 et puis je reviendrai au verset 1. 1 Corinthiens 13, lisons le verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Croyant. Elle ne cherche point son intérêt. Enfant de Dieu ne cherche point son intérêt. Elle n'est pas à tout moment conscient de lui-même. Est-ce que tu reconnais qui je suis? Tu dois reconnaître comment me traiter. Tu dois reconnaître que je suis le plus grand ici. Elle ne cherche point son intérêt. Verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je continue à chercher mon intérêt. Et je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, si je continue de chercher mon intérêt, chercher mon avantage, chercher à établir ma position, chercher que les gens comprennent qui je suis, j'ai l'autorité sur tout le monde. Et si je n'ai pas la charité, je cherche à mon intérêt, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, je cherche mon avantage. Je suis très conscient à tout moment et je porte... Et l'importance de la popularité, mon exaltation, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, sans chercher son autorité. La charité n'est pas envieuse, sans essayer de copier les gens politiques dans leur religion. La charité ne se vante pas. Elle ne se vante pas. La charité ne s'enflent point d'orgueil. Si je ne leur montre pas qui je suis, ils vont croire que je suis en bas là-bas. Donc, je dois leur montrer qui je suis. Elle ne fait rien de malhonnête. La charité ne fait pas cela. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle n'a même pas sa position là-bas, son pouvoir là-bas. Je ne vais pas supporter ceci. Parce que si je prends ceci, là, ils vont faire autre chose. Alors, il faut savoir qui je suis. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Je prie que cette expérience d'une vraie sanctification et d'un affranchissement total de la dépravation, de la sensualité, de l'esprit de rechercher la position, de l'esprit de Jacques et de Jean, que cette grande expérience soit accordée à chacun de nous par le Seigneur. Nous avons vu la révélation de Christ
de son sacrifice, s'entend, il veut qu'on sache que par ce sang, par cette angoisse, il veut que par cette mort, on peut avoir la rédemption totale, le salut, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et tout baptême. Et on a vu l'exposition de la sensualité de Jean et de Jacques, qu'il n'y ait pas la répétition de cela dans nos vieux noms de Jésus-Christ. On a vu la servitude de Christ. Nous allons servir les autres. Je servirai tout le monde. Vous allez servir tout le monde. L'orgueil supprimé. La recherche de position supprimée. La démonstration de pouvoir supprimée. Exercer l'autorité induite sur les gens ôtés. Votre cœur, votre esprit, votre action seront ceux de Christ au nom de Jésus-Christ. Un autre Amen. Un bon Amen. Un Amen fondé sur la Bible. Tenons-nous debout maintenant et parlons, Seigneur. Tenons-nous debout et parlons, Seigneur. C'est ce qu'il veut faire dans notre vie. Il veut ôter l'esprit charnel de notre vie. Il veut ôter l'attitude charnelle. Il veut ôter tout ce qui semble être l'esprit de Jean et Jacques qui voudrait ceci et cela. Il veut nous donner le sentiment de Christ. Priez le Seigneur et consacrez-vous à lui.